Eh bien bonjour Canal Gym. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une petite séance cardio renfo. On va faire 50 secondes de travail, 10 secondes de récup, 3 tours. Au total, 6 exercices. Pour cette séance, tu auras besoin d'un step. D'accord, si tu n'as pas de step, tant pis, d'accord, mais c'est vrai que c'est plus facile avec un step. Donc, comme d'habitude, je te retrouve juste après l'introduction pour qu'on commence cette séance. Allez, je place et je récupère tranquillement, hop, mon petit timer. Hop, voilà, 10 secondes pour pouvoir te placer. Vous montez sur votre step, mettez-vous mieux hein, de votre step, en long. Et on va faire descend, descend, monte, monte, tout simplement. Allez, on est parti. Serre les abdominaux, lâche les épaules. Voilà, ça c'est bien. On est parti pour 50 secondes. Donc oui, tu risques d'avoir un petit peu mal au mollet demain. Si tu as un coup de moins bien, tu ralentis, comme ceci. Hop, allez. Encore, voilà, ça c'est bien. Hop, hop. Serre tes abdominaux, lâche tes épaules. Il te reste 20 secondes. Encore. Oui, ça c'est bien. Ça c'est bien. 10 secondes. Stop. Deuxième exercice des pompes. On retourne le step. Pompe à la main sur le step. Pompe plus large que les épaules. Ok, c'est parti. Si c'est trop dur, tu peux ramener les genoux au sol. Lâche les épaules. Pense à bien pousser les coudes vers l'arrière. On va la colonne vertébrale. Voilà. Un rythme régulier. Donc je te rappelle que plus tes pompes seront larges, plus tu vas faire intervenir le dos et l'extérieur. Plus tu vas serrer, plus tu vas faire intervenir l'intérieur. D'accord? Donc moi je te conseille tes pompes larges parce que parfois c'est plus facile. D'accord? Mais si tu te sens à l'aise, tu peux resserrer un peu. Il vous reste 10 secondes. Top. Prochain exercice, chassez latéral sur le step. Donc tu places ici, tu mets ton pied droit ou ton pied gauche, c'est peu importe, et on va chasser en latéral. Toujours pareil, hop, hop, 50 secondes. Allez, voilà, lâche tes épaules, reste souple, hop, hop, plie un petit peu sur la jambe, hop, sur les deux jambes, hop là, voilà, hop. Toujours pareil, un petit rythme régulier, c'est celui qui te fait, hop, allez. Voilà, sentez que le cardio monte. Yes. Sentez que vous commencez à brûler des calories. Et en même temps, il y a ce petit travail de renforcement musculaire quand tu repousses. Tu vas engager le fessier. Voilà. Hop. 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 Oui. Yes, yes. 5 secondes. Top. La suite, triceps en dips, hauteur basse, placez les mains, largeur de vos épaules, on descend et on remonte. Hop, poussez de vos coudes, gardez votre buste droit, faites attention, je vous montre de profil, ne pas vous éloigner ici, si tu t'éloignes, tu vas tirer sur cette partie. Et tu risques de te blesser. Toujours les fesses le long de votre step et vous remontez. Si l'amplitude est trop faible et que tu aperçois que c'est un petit peu trop faible, tu auras 10 secondes pour monter et descendre ton step tout à l'heure. Il va falloir aller vite, on le tentera. Parce que je suis d'accord avec toi, c'est un peu faible. Si c'est trop difficile, tu mets les pieds sous les fesses. Si c'est trop facile, tu avances les pieds. Hop. Et tu peux après mettre le poids sur les jambes. Ok, prochain exercice, je suis désolé, un saut latéral qu'on enchaîne avec un burpees. Ça fait ça, un saut latéral et un petit burpees. Tu reviens, hop, tu sautes sur le step.
Evercruz. Hop, je te donne l'alternative. Monte, monte, squat, planche, squat, remonte. Ça, c'est l'alternative. Squat, planche, squat, remonte. D'accord ? Allez, faites attention de ne pas vous blesser. Contrôlez votre mouvement. Tu peux remonter le buste, sauter à pair, ou faire comme ceci. Hop, ça me pose. Ça vous montre un peu plus de cardio. Tirez bien vos abdominaux. Wouhou ! Oui, j'ai senti. 10 secondes. Le dernier pour moi. Ok. La suite. Squat une jambe. Bon, on peut le faire sur le step. Ici. Tu descends. Tu remontes, tu changes. Tu descends. Wouhou ! Remonte. Tes fesses. Et okay. Si tu veux, tu peux le faire au sol. Hop, pense à stabiliser ton genou. Fais attention à vos côtés, ne mettez pas trop bon, sinon vous allez glisser. Ce que vous pouvez faire, c'est changer votre step de sens pour que ça soit peut-être plus facile. L'année de faire le premier tour. Ouh. Ok, on est parti pour le deuxième tour. Monte, monte, descend, descend. Tout à l'heure, moi j'ai commencé avec cette jambe, ma gauche. Je vais commencer avec la droite sur le deuxième tour. Voilà, hop. Voilà. On essaie d'être un poil plus dynamique par rapport à tout à l'heure. Voilà, hop. Lâchez vos épaules. Oui, remettez bien les pieds sur votre step. Toujours dans le contrôle, ne tombe pas. Ok, hop. Un peu large, sur les genoux ou pas, comme tu veux. Bon, on est parti. Bien les coudes à l'arrière, lâchez les épaules, on va pas aller au sol. Serrez bien vos abdominaux. Ne descendez pas que la tête. Hein. Essayez de descendre le buste dans son intégralité. Épaules. Toujours dans les oreilles. Abdominaux serrés. Le buste descend d'un seul bloc. Il vous reste 4 secondes. Ensuite, le chassé latéral sur le step. Hop. Allez, je pars d'ici. Là, c'est important pour le sage. Hein. Parce qu'on va de suite et tout le temps les deux mêmes côtés. Hop. Voilà. Allez. Inspirez bien le nombril. Voilà, ça c'est bien. Amorti, pousse, amorti, pousse. Hop, hop, oui. Yes. Encore, encore. Il me reste 10 secondes, 10 secondes. Ok, top. Triceps, moi, regardez, j'ai le temps, hop, de monter mon step, de le placer, et on descend et on remonte.
Fixez bien les coudes vers l'arrière. Lâchez les épaules, restez grand. C'est bon. Ah. 10 secondes. Top. L'appareil, allez vite parce que c'est saut et burpees. La descente est toujours plus rapide que la montée. Décalez votre step. Et là, on est parti, le burpees pour commencer pour moi. Et j'enchaîne avec le saut. Hop. Serrez les abdominaux. Pensez à lâcher vos épaules. Pensez à gainer quand vous faites la planche. Hop. C'est presque cet exercice ici qui est quasiment le plus dur. C'est pour ça que tu peux penser à cette option qui te permettra de faire descendre un peu ton cardio si c'est un petit peu trop dur. 10 secondes. Ok. Squat une jambe. Le squat une jambe maintenant. Tu vois, t'as augmenté ton cardio. On apprend à se restabiliser. Pousse tes fesses vers l'arrière. Pensez à rester grand. Lâchez les épaules. Les abdos. Dernier tour. Allez. On est parti. Allez, ne regarde plus rien. Oui, oui. Allez, allez. Accélérez, c'est bien ça. Gardez le dynamisme. Encore, encore. Encore. Ouh. Ah. Allez. Ouhou. Tu sens que j'ai ralenti. Encore, encore. Ah. Ok. Pompe. On est parti. Poussez bien vos coudes vers l'arrière. Repoussez bien. Avec vos mains dans le step. Et
on est parti pour le chasser latéral. Encore, encore. Restez grand, restez fort. Hop. Go. Poussez bien vos coudes vers l'arrière. Pensez à rester grand. Dernière descente pour moi. Et bien mes amis, merci encore pour cette petite séance cardio renfo. Donc j'espère que cette petite séance t'aura plu. On a fait 18 minutes de travail, d'accord, sans pause, voire très très peu de pause. Donc n'hésite pas à recommencer la séance une fois de plus si tu n'en as pas eu assez. N'hésite pas à compléter avec d'autres exercices. Par exemple, une petite séance d'abdominaux serait très bien à insula. Donc sur ce, et sur ces recommandations, je te fais encore une fois de plus un très gros bisou. Et on se retrouve très très vite chez Canal Gym Béziers. A bientôt. Bye bye.